Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir pour notre quatrième lancement de l'année depuis le Centre spatial guyanais, le deuxième avec Soyouz et le 250e pour Arianespace, en ajoutant tous les lancements réalisés en Guyane depuis sa création. Pour la mission d'aujourd'hui, Soyouz devra délivrer deux satellites Galileo, fabriqués par OHB Systems, sur une orbite terrestre circulaire intermédiaire et inclinée à 57,4 degrés par rapport à l'équateur. Du décollage à la séparation, la durée de la mission sera d'environ 3 heures et 48 minutes. Les deux satellites seront séparés dans le même temps. Pour poursuivre l'accélération du déploiement de la constellation, initiée l'année dernière, la Commission européenne a décidé en février de maintenir le rythme en confirmant la mission de ce jour, qui permettra d'ajouter à la constellation les 13e et 14e satellites de navigation. Ceci démontre la flexibilité de la famille de lanceurs d'Arianespace à s'adapter aux besoins de ses clients. De plus, le déploiement continuera cette année avec le relais d'Ariane 5 ES pour une mission planifiée au dernier trimestre avec le lancement de 4 nouveaux satellites Galileo, ce qui portera à 18 le nombre de satellites déployés pour cette constellation. Dans tous les cas, l'intégration de la mission est réalisée dans le cadre d'un contrat signé avec l'Agence spatiale européenne, responsable du segment spatial de Galileo. Nous sommes donc très reconnaissants envers la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne pour leur confiance sans cesse renouvelée dans notre système de lancement, qui fait de l'Union européenne le premier client institutionnel d'Arianespace. C'est toujours une source de grande fierté pour Arianespace de fournir les gouvernements européens et les institutions un accès indépendant à l'espace grâce à notre famille de lanceurs. Mais notre 15e Soyouz depuis la Guyane est maintenant prête au décollage. Appréciez le spectacle. La diffusion et le lancement direct aujourd'hui du Soyouz de ce port spatial européen. Toutes les actions seront faites en anglais. La traduction française sera faite par Odile Lacoste, notre interprète de ce soir. Notre mission, c'est de lancer deux satellites Galilée pour l'Europe. Nous sommes ici aujourd'hui au centre de contrôle mission Jupiter, qui est le cœur de la base spatiale où tous les systèmes sont au vert, ce qui veut dire que nous sommes à l'heure. Tout est en ordre pour le lancement dans quelques 30 minutes. Galilée, vous le savez, est le système de navigation par satellite de l'Europe. Dans quelques années, il sera complètement déployé et il aura 30 satellites à ce moment-là. Nous en sommes pour l'instant à mi-chemin. Nous lançons aujourd'hui les satellites numéro 13 et numéro 14. Pour ce faire, nous utilisons un Soyouz. Vous connaissez bien le Soyouz, j'imagine, puisque cela remonte au premier jour de la course pour l'espace. C'est le cheval de trait des Soviétiques et maintenant des programmes spatiaux européens et russes. Nous en parlerons un petit peu plus tard dans notre diffusion. Mais aujourd'hui, quelques chiffres. Pour l'instant, Soyouz est à 46 mètres, fait 46 mètres, 4 étages en tout. Le premier étage consiste en 4 propulseurs, chacun avec ses propres moteurs. Il y en a 4 pour chaque propulseur. Ils sont groupés autour du corps principal qui forme le second étage. Le troisième étage pèse 25,4 tonnes et produit 30 tonnes de poussée. Au sommet de cet assemblage de 3 étages, il y a la coiffe qui contient bien sûr l'étage supérieur, un dispenseur pour les deux satellites, les deux passagers Galileo 13 et 14 aujourd'hui. L'étage supérieur s'appelle Frégate. Il a été conçu pour être indépendant avec un moteur qui peut être réallumé, ce qui est bien sûr très important comme nous le verrons tout à l'heure. Soyouz pèse 300 tonnes au décollage. C'est le lanceur moyen Arianespace qui est plus léger qu'un Ariane 5 mais plus lourd qu'une Vega.
Vous voyez ici que tous les paramètres sont au vert. Ils sont le résumé en temps réel de l'état des différents services de lancement fournis par la base. Cette information arrive ici à Jupiter, ce qui fait de Jupiter le centre d'action, l'endroit où les décisions sont prises. Voici le haut commandement de cette mission, Stéphane Israël, que vous avez vu bien sûr à Arianespace, Igor Novikov, qui est directeur vol chez Roscosmos, Xavier, qui est responsable technique, Monsieur Lagier, pardon, qui représente ici l'ESA. Nous avons Gaël Winters, directeur des lanceurs, Bruno Gérard, bien sûr, responsable des équipements Arianespace ici à Kourou. Et si quoi que ce soit se passe au cours de cette mission, c'est leur travail maintenant de décider comment gérer la situation. Ce sera le quatrième lancement de l'année. Nous volons bien sûr pour l'ESA. Nous avons maintenant une interview avec le directeur général de l'ESA, Jan Werner. Ladies and gentlemen, welcome to Mesdames et messieurs, bienvenue pour un nouveau lancement Galileo. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous, mais nous avons une nouvelle personne parmi nous, Paul Verhoef, le directeur pour la navigation par satellite. Mais je suis sûr que ce n'est plus seulement juste un autre lancement, c'est un lancement de routine, mais avec des équipes très expérimentées de l'ESA, et je suis sûr qu'ils vont faire au mieux pour avoir un lancement réussi avec les équipes d'Arianespace. Galileo Galilei, il est mort depuis 375 ans. Mais Galileo, notre système de navigation, est bien en vie et de plus en plus. Ainsi, nous allons avoir deux autres satellites lancés aujourd'hui et donc nous aurons 14 satellites en orbite. Et à la fin de l'année, nous aurons un autre lancement avec Ariane 5 pour 4 satellites, ce qui veut dire que nous aurons alors en tout 18 satellites. C'est déjà un bon chiffre pour de premiers services. Et il est aussi important que nous terminions la constellation dans l'espace dans un avenir proche. Déjà, Galileo fonctionne, ainsi qu'EGNOS, par exemple, utilisé sur plusieurs aéroports dans le monde. Comme je l'ai dit, je ne peux pas être avec vous, mais je pourrai regarder ce lancement depuis Bruxelles, où je serai aujourd'hui. Nous allons rester ici avec l'ESA. Nous sommes ravis d'avoir avec nous maintenant le directeur programme navigation pour l'ESA, Paul Verhoef. Bienvenue. Vous êtes debout très tôt aujourd'hui. Ah oui, on travaille depuis le début de la nuit d'ailleurs. Nous avons quelques minutes avant de passer au lancement. Parlons du programme Galileo. Nous sommes en milieu du déploiement du système Galileo, mais pour ceux qui sont un petit peu nouveaux à ce programme, expliquez-nous ce dont il s'agit. Eh bien, pour pouvoir recevoir la localisation de votre voiture dans un équipement tel que celui-ci ou dans les équipements dans vos voitures, dans vos bateaux, dans les avions, il y a une puce qui va recevoir en fait 4 signaux au moins de 4 satellites différents qui va calculer votre position. Et ce que nous fournissons, nous, ce sont les satellites et tous les programmes qui vont avec, c'est-à-dire des centaines de millions ou de milliards d'équipements dans le monde pourront être équipés. Nous avons un système qui fonctionne. Les Américains ont un système qui fonctionne, les Russes, je crois que les Chinois aussi. Quel est l'apport de Galileo à tous ces systèmes existants? Les autres systèmes ont été au départ conçus pour des objectifs militaires. Nous, dès le départ, nous avons conçu ce système pour des objectifs civils. Nous avons différents groupes d'utilisateurs, différentes demandes pour ces signaux de navigation. Nous fournissons pour tous ces groupes d'utilisateurs les signaux dont ils ont besoin. Bien, ça c'est la neuvième mission Galileo, si on repart aux tests qui ont été effectués il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en ce qui concerne le lancement aujourd'hui? Oui, le lancement de ce matin est tout à fait particulier parce qu'en fait, on en arrive à la moitié de la constellation mise en place et avec cela, nous pourrons déjà fournir des premiers services. Et ces premiers services, ce sont des services commerciaux. Cela veut dire que nous pouvons fournir des garanties, nous pouvons fournir des garanties de performance minimale du système, ce qui permettra à certains de ces services d'être expérimentés. Par exemple, dans un équipement comme un téléphone mobile, on va pouvoir utiliser cela avec un GPS, on va pouvoir ainsi calculer les positionnements. Bien sûr, la puce devra ensuite être activée pour ce faire. Et dans la plupart des smartphones, ce sera le cas, mais nous pensons qu'au cours des années à venir, bien sûr, il y en aura encore plus. Galileo
Le DDO va maintenant annoncer la dernière séquence finale, c'est-à-dire que nous sommes au dernier moment avant la chronologie automatique finale. Et tout est bon en temps et en ordre. Une dernière question. C'est un Soyouz, le dernier Soyouz qui va lancer Galileo, parce qu'on va changer de lanceur, n'est-ce pas, pour ces satellites Galileo. La prochaine fois, ce sera Ariane. Pourquoi changez-vous de lanceur? Oui, on va lancer avec Ariane 5. Nous allons le faire à la fin de l'année parce qu'on veut accélérer le déploiement de la constellation. Et avec les trois Ariane 5, on pourra lancer quatre satellites à chaque fois, ce qui, bien sûr, pourra terminer la constellation. Nous en serons alors à 26 satellites. Ensuite, on doit déployer la constellation jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'à la fin du déploiement de la constellation, il faudra quand même de temps en temps remplacer un satellite par un nouveau. On utilisera à ce moment-là Ariane 6 ou un autre lanceur comme Soyouz. Et puis, bon, voilà, on va faire ce genre de choses pendant extrêmement longtemps. Ça va durer très longtemps. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Merci, Paul Verhoeff, pour l'ESA. Nous avons mis toutes les choses en place et maintenant notre diffusion en direct va avoir continué. Je vais être dans ma cabine avec mon collègue de la cabine française ici, Thierry Bouvard. Vous pouvez nous suivre en français avec Thierry, bien sûr. Et puis on va, pendant que je remonte à ma cabine, regarder un petit peu ces films, la campagne de lancement. Vous allez voir comment est-ce qu'on met en place une campagne Soyouz pour la mission d'aujourd'hui. C'est le 21 mars que débute la campagne lanceur au bâtiment d'intégration du triétage, le MIC, par la préparation de l'étage supérieur frégate. La préparation du frégate de VS-15 a commencé au MIC, juste après le départ du frégate de VS-14, qui est venu au F-Cube pour les opérations de remplissage. La campagne VS-15 a été neutralisée pendant les opérations de lancement de VS-14, et juste après le lancement de VS-14, les opérations d'intégration du triétage ont débuté au MIC et les opérations de remplissage du frégate VS-15, là pour le compte, ont démarré également au F-Cube. De leur côté, le 5 avril, les deux satellites Galileo atterrissent à l'aéroport Félix Éboué de Cayenne et sont acheminés au centre spatial. Comme d'habitude, la préparation des satellites a été réalisée pendant 3 semaines et demie dans la salle blanche du bâtiment S1A dédié au projet. Là, ils subissent une série de tests et de contrôles destinés à valider leur bon fonctionnement. Le remplissage en ergol des réservoirs des satellites s'est déroulé au bâtiment S3B du 2 au 9 mai. Dans ce même bâtiment, lors de la journée de J-4, les satellites et les tâches frégates ont été encapsulés sous la coiffe. Vendredi 20 mai, le triétage du lanceur Soyouz est transféré du MIC en zone de lancement, la ZLS, où il est érigé à la verticale. Dans l'après-midi, le portique est remis en position pour donner accès aux différents niveaux du lanceur et pour protéger le lanceur jusqu'à une heure avant le décollage. C'est au tour du composite supérieur d'être transféré du bâtiment S3B en zone de lancement Soyouz et intégré sur le triétage. Débutent immédiatement les connexions électriques et fluides ainsi que le système de ventilation de la coiffe. C'est aussi le jour de la répétition générale des moyens de la base de lancement. Le lundi 23 mai, la revue d'aptitude au vol a donné le feu vert pour débuter les opérations finales de la chronologie de lancement. À partir de ce point, le lanceur et les deux satellites Galileo sont prêts à débuter leur voyage. Pour la première fois, donc, deux lancements Soyouz auront lieu à moins d'un mois d'intervalle ici en Guyane. Et tout se passe bien en salle Jupiter au Centre spatial européen de Kourou en Guyane. Il s'agit, vous avez entendu, du 15e décollage d'un Soyouz depuis l'Équateur. Nous nous rendons maintenant au centre de lancement Soyouz qui est situé à 1 km de la zone de lancement de Sinnamary. C'est un bâtiment blindé. On retrouve l'équipe européenne menée par le COEL, Jean-Pierre Barlet, ce matin. Il sert d'interface avec le chef de mission et le directeur des opérations ici à Jupiter. L'équipe russe est emmenée, elle, par le chef des opérations de lancement Soyouz. Vous l'avez vu, le COLS, Alexander Cherevan. Marc Grosach d'Ariane Espace est le CEPAP du jour. Il garantit l'aptitude au vol du lanceur avec son collègue russe Kapitonov. Il y a aussi un duo russo-européen pour la qualité. Il est emmené par Denis Corlet et Sergei Choutarev.
Équipe de plus de 100 personnes donc dans ce CDL, au plus près du lanceur, une équipe qui dialogue en russe, en français et en anglais. Nous passons maintenant au CVI. Les données reçues du lanceur à Moscou et à Kourou sont contrôlées par une équipe d'experts d'Arianespace menée par Claude Legrand. Il y a également des partenaires russes. Ces données concernent la propulsion des moteurs du lanceur, la trajectoire ou encore le contrôle en vol. Pas de fenêtre de lancement aujourd'hui, décollage précisément à 8h48 43 secondes, c'est du GMT pour l'instant. Tous les indicateurs sont au vert. On découvre la mission dans le détail avec Claude Legrand et Rémi Chevrier. Le lanceur est composé de deux parties essentielles. La première partie, composée de trois étages, est ce que l'on nomme le Soyouz STB. La seconde partie, ou composite supérieure, comprend l'étage frégate et les deux satellites. 9 minutes après le décollage, le Soyouz STB injectera le composite supérieur sur une orbite suborbitale. Le vol du Soyouz est d'abord suivi par la station de Galileo en Guyane et par une station installée sur un navire positionné dans l'océan Atlantique. Après son allumage, l'étage frégate poussera ses passagers pendant 13 minutes sur une orbite intermédiaire. Trois stations suivront cette partie, la station navale Santa Maria aux Açores et Ossaquel près de Toulouse. La fin de mission sera entièrement suivie par la station New Norcia près de Perth en Australie. À l'extinction du moteur du frégate interviendra une longue phase balistique de près de 3 heures. Le moteur du frégate s'allumera une deuxième fois pendant 4 minutes pour injecter des satellites sur l'orbite de séparation. Enfin, 3h48 minutes après le décollage, interviendra la séparation simultanée des deux satellites. Rémi et moi contrôlerons en temps réel les paramètres de vol depuis le centre de lancement Soyouz. Mon collègue Antoine Courtois est à Moscou, où il supervise la production du diagnostic de satellisation et des données orbitales. Épilogue donc ce matin d'une campagne qui a débuté le 21 mars dernier. Il s'agit du 1861e Soyouz de l'histoire spatiale quand même. Ouais. 9e mission Galileo depuis 2005, confiée à Arianespace. Alors installation au sol, lanceur, passagers et météo, tout semble pour l'instant toujours au vert. La performance demandée à Soyouz pour ce vol, 1 600 kg 800, dont 1 430 kg 200 représentant la masse des deux bagages ombilicaux Chao. Chacun est à un peu plus de 714 kg. La mission est particulièrement longue, vous l'avez vu ce soir, ce matin plutôt. Les satellites devraient être injectés sur orbite après 3h47 minutes et 57 secondes de vol. Il y aura une séparation simultanée et stabilisée, trois axes. Une mission qui s'achèvera réellement 6h47 minutes 56 secondes après le décollage avec la passivation de l'étage frégate. Le chef de projet Galileo pour Arianespace aujourd'hui, c'est Thierry Fahem. Proche de lui, le directeur de mission des deux satellites pour l'ESA, Giuliano Gatti. Et le chef de mission Arianespace est aujourd'hui Thierry Villemar. Un rappel pour les dernières secondes, alors que dans quelques minutes, nous allons avoir l'annonce du DDO sur la dernière minute de chronologie. Dans les 35 secondes avant le décollage, ouverture du plus grand des bras, le KZM, et à 20 secondes début du PUSC, c'est-à-dire l'allumage des moteurs du premier étage et des quatre blocs qui entourent le deuxième étage, qui est le bloc central. À 18 secondes, largage des ombilicaux d'alimentation du troisième étage et à 17 secondes, retrait de VKM. Attention pour A0 au moins une minute. Top, A0 au moins une minute. Voilà, dernière minute de la chronologie annoncée par le directeur des opérations ce soir, ce matin, Jean-Luc Voyer. Trois paliers de poussée avant le décollage, donc contrôle automatique de la poussée des cinq moteurs du lancement. 14 secondes avant le décollage, on sera à 20% de la puissance. À moins 6 secondes, poussée intermédiaire à 85%. Et 3 secondes avant le décollage, poussée maximale, bien entendu. La gare du Macazedem. 100%, le KZM s'est retiré. Je vais me taire. Nous allons assister à ce 15e décollage sur l'équateur d'un Soyouz. On se retrouve tout de suite après. Attention pour le début de la séquence d'allumage du lanceur. Top à 0 moins 20 secondes. Lagage du mât VKM.
À tous de DDO décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top décollage. Voilà donc un décollage qui est réussi pour ce 15e Soyouz sur l'équateur, 1861e Soyouz de l'histoire spatiale. Et vous l'entendez, la propulsion est nominale, la trajectoire normale, les paramètres de vol normaux. On va suivre la courbe qui va s'afficher à droite de votre écran. Le tracé représente la prévision de vol et le marqueur, tout simplement, la position réelle du lanceur. Soyouz, comme tous les autres lanceurs, est suivi très attentivement au sol. Alors, les informations qui proviennent des stations positionnées en aval de la trajectoire sont reçues directement au CDL Soyouz, ici à Kourou, pour les trois premiers étages et la coiffe. Puis pour le vol de frégate, d'abord les équipes russes de NPO Lavochkine près de Moscou valident ces informations. Au passage, salutations à l'ami Antoine Courtois. Donc, validation, puis les données sont transmises au contrôle visuel immédiat de Kourou qui les confirme une deuxième fois et les confie à la cellule de vol et au directeur des opérations. Alors, on a décidé d'annoncer les séquences comme prévu dans le plan de vol initial. Il se peut donc que par moment, il y ait un léger décalage avec le directeur des opérations, mais tout cela n'est pas bien grave. Les cinq moteurs quadrichambre du corps central et des quatre boosters allumés simultanément sont en plein travail. Les gaz et les flux sont éjectés par 20 tuyères. Vous savez que le poids mort est traqué sans relâche dans le domaine spatial. Eh bien, on va se débarrasser de la masse sèche parce qu'ils seront quasiment vides. Voilà qui est fait. Séparation de ces boosters et il y aura beaucoup d'activité sur le lanceur dans les 10 minutes à venir. Au décollage, Soyouz pesait au total 313 tonnes. Après séparation des boosters, il ne pèse plus que 133 tonnes. En moins de 2 minutes, le lanceur a perdu plus de la moitié de son poids. On est actuellement à une distance qui progresse toujours. L'altitude va franchir les 100 km. Justement, passer cette barre des 100 km, plus d'atmosphère, plus de frottement, d'échauffement, de pollution. Donc la coiffe qui protégeait les satellites n'est plus utile. Il faut s'en séparer et ça va alléger une fois de plus notre lanceur tout bonnement d'une tonne 7. Cette coiffe qui, par certains de ses aspects, rappelle celle d'Ariane 4. Le lanceur d'origine russe a connu des adaptations pour ses missions guyanaises et la coiffe en faisait partie. Une coiffe de type ST, Soyouz Tropical, d'un diamètre de 4,11 m et d'une hauteur de 11,4 m. Elle est construite par TSKB Progress au centre spatial de Samara. Elle recouvre donc l'étage frégate, mais également les charges utiles et entre les deux, le dispenseur, c'est-à-dire l'adaptateur pour largage multiple, qui lui a été mis au point lors des tout premiers lancements en Global Star par Starsem. C'était depuis Baïkonour et c'était à la fin des années 90. Annonce prochaine donc du largage de la coiffe qui est maintenant devenue inutile. Voilà qui est fait. Prochaine étape et particularité propre à Soyouz, on va allumer le moteur du troisième étage 7 secondes avant la séparation du deuxième. On va ainsi produire un effet rebond. Cela va permettre de donner une impulsion supplémentaire à ce troisième étage. Le gaz d'échappement va rebondir sur le sommet du deuxième étage qui est bien entendu doté d'une protection thermique. Cela permet d'augmenter la poussée du troisième étage lors de l'allumage. Les Russes ont nommé cela la séparation chaude. On va donc perdre le corps du deuxième étage qui est haut de 28 mètres. Ce qui reste du lanceur en vol mesurera alors un peu plus de 8 mètres sur les 36 du décollage tout de même. En moins de 5 minutes de vol, ça fait beaucoup. On a beaucoup allégé ce lanceur.
Vol donc d'un 15e Soyouz sur l'équateur avec pour le compte de l'ESA. Deux passagers ce soir pour la constellation Galileo. Le troisième étage est intégré au deuxième étage par une structure en treillis. La jupe arrière, on va la voir partir. C'est cette jupe qui a permis de canaliser les flux. Elle a été éjectée quelques secondes. Là, voilà, on le voit bien. Et elle dévoile ainsi la tuyère du troisième étage. Soyouz est ici en version STB, c'est-à-dire une version tropicalisée la plus puissante. Le moteur utilisé est le RD-110, qui comprend 4 chambres de combustion et 4 tuyères. La poussée est de 30 kN. La durée de travail de cet étage est estimée à 240 secondes, 4 minutes. Le lanceur et ses passagers, je vous le disais, ne sont jamais laissés seuls. Un réseau de stations de suivi est activé à chaque lancement et aujourd'hui sont sollicités la station Galio installée à la montagne des Pères à Kourou. La SNA comprenait la station navale Ariane qui vient de prendre le relais. Elle est abritée sur un bateau au centre de l'océan Atlantique. Après il y aura Santa Maria aux Açores et au Sahel près de Toulouse. Et puis après un trou de télémesure d'une vingtaine de minutes, c'est la station de Norcia, près de Perth en Australie, qui suivra toute la fin de cette mission. Il s'agit là des stations Ariane Espace pour cette mission qui s'achève par la mise en orbite des deux satellites. Et il y a par la suite toute une série de stations déployées par l'Agence spatiale européenne. Nous y reviendrons justement en détail en deuxième partie d'émission en compagnie de Sylvain Laudeau qui est justement responsable du segment sol de l'ESA. Pour l'heure, tout va bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait revoir les images de ce décollage. Peut-être, on va demander à notre réalisateur Manuel de Oliveira de nous faire une compilation de ces images que voici. C'était il y a un peu moins de 7 minutes maintenant. Toujours aussi élégant ce Soyouz. 1861e, le 15e depuis le centre spatial guyanais et il permet de placer sur une orbite circulaire à 23 522 km d'altitude deux nouveaux satellites de la constellation Galileo dans le cadre du programme FOC pour Full Operational Capability, en français capacité opérationnelle complète. Alors il s'agit du 9e lancement Galileo confié à Arianespace. On les rappelle, il y a eu JOVA en 2005 depuis Baïkonour, JOVB en 2008, toujours à Baïkonour, puis installation des lancements en Guyane avec IOV le 21 octobre 2011 sur le tout premier Soyouz en Guyane, IOV 3 et 4 le 12 octobre 2012 pour le troisième Soyouz en Guyane. Et puis ces validations, il y a eu la génération FOC, la première en août 2014 et jusqu'à 7 à 12 durant l'année 15, 7 à 12 satellites pour les missions 6, 7 et 8 qui ont été déployés. Nous attendons logiquement la séparation du troisième étage avec le frégate et les passagers. Pour l'instant, tout se déroule tranquillement, pratiquement 9 minutes de vol. Le déroulement du vol est nominal. Tout se passe bien, vous l'entendez. Grâce à la mise en œuvre des satellites d'aujourd'hui, Galileo va proposer ses premiers services grand public, et ce, dès la fin de cette année 2016. Et il y aura 4 satellites, on en reparlera, c'est important. Ariane 5 va déployer 12 satellites en 3 fois. 4 x 3. Et donc cela renforcera encore le service proposé par la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne. Nous avons donc une séparation en attente. Après extinction et séparation, il faut préciser qu'il y a une manœuvre d'éloignement du troisième étage qui est programmée par l'ouverture des vannes d'évacuation des gaz du réservoir d'oxygène liquide. Donc il ne faut pas effectivement que cet élément que l'on sépare vienne percuter et perturber le vol de ce qu'il reste donc du composite.
À présent, seule frégate est en vol. L'étage supérieur frégate, c'est un étage autonome, réorientable, conçu comme un véhicule orbital. Il supporte l'adaptateur qui accueille les passagers. Et frégate est un véritable quatrième étage. Et il possède ses propres systèmes de guidage, ses systèmes de navigation, de contrôle d'attitude, de poursuite et de télémesure. Il permet d'élargir justement les capacités du lanceur Soyouz en desservant les orbites les plus variées de la manière la plus précise possible. Alors, à l'origine, frégate a été conçue pour être réorientée 20 fois, pas moins. L'étage supérieur frégate, qui va connaître là son allumage, voilà qui est fait, a une masse de 6 tonnes 3. Il a été développé et produit par NPO Lavochkin à Khimki, près de Moscou. Il est constitué de 6 sphères disposées en hexagone. 4 de ces sphères sont des réservoirs d'ergol. Les deux autres sont des compartiments pressurisés qui abritent d'une part le système de télémétrie et d'autre part le système de contrôle. Le frégate a un diamètre de 3,35 m pour une hauteur d'1,55 m et une masse à vide de 930 kg. Le moteur à ergol stockable utilise du diméthylhydrazine asymétrique, 3 tonnes 6 tout de même, mais également du tétraoxyde d'azote, 1 tonne 8. Cela permet d'effectuer donc des profils de mission très complexes. Le temps de travail global pour cette première poussée du frégate, ce sera presque 14 minutes, 13 minutes 52. L'étage frégate a été développé à partir du système de propulsion des sondes spatiales Phobos et Mars 96. Son développement a débuté en 1993 et il faut dire que la signature du contrat pour le lancement des 4 satellites cluster de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, par StarSem, filiale franco-russe d'ArianeSpace, eh bien ce contrat a permis d'accélérer sa mise au point. Frégate est depuis proposé comme quatrième étage du lanceur Soyouz avec un adaptateur pour lancement multiple. Galileo est un système de géopositionnement par satellite. Il va tout bonnement assurer à l'Europe la maîtrise de son indépendance. Le spatial est une importante clé de réussite pour les Européens, ils l'ont bien compris. Et l'ESA est donc son agence attitrée. Dans quelques heures, la constellation se dotera de 14 satellites. On découvre en détail ceux qui sont lancés aujourd'hui. Kourou, en préparation dans une salle propre du Centre spatial guyanais, les GalileoSat 13 et 14. Dans ce bâtiment réservé à Galileo, l'ESA a préparé pas moins de 6 satellites l'année dernière et ces deux nouveaux satellites vont rejoindre la constellation. Le segment spatial de Galileo est en plein déploiement, de même que le réseau au sol. Au sol, nous avons la plupart des installations en place autour du monde. Ce sont quelques 40 stations terrestres réparties tout autour du globe. Tout cela est opérationnel. Il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités nécessaires, mais nous les renforçons actuellement. Par exemple, il faudra à l'avenir avoir la capacité de travailler avec 30 satellites. Et c'est ce que nous préparons en ce moment. Le segment sol est un élément clé de Galileo, avec deux centres de contrôle à Oberpfaffenhofen en Allemagne et à Fucino en Italie. Ils gèrent les signaux de navigation et exploitent la constellation. Ils suivent les satellites et leur envoient les commandes via plusieurs stations de poursuite. L'autre partie du réseau sol, ce sont des stations de détection. Elles reçoivent les signaux de position et de temps fournis par les satellites et les transmettent au centre de contrôle. Là, les données sont traitées puis renvoyées aux satellites via 5 stations montantes. C'est ce réseau qui permet à Galileo de produire des données de navigation très précises aux utilisateurs. Actuellement, l'ESA travaille donc pour le déploiement de la constellation complète à l'horizon 2020. Avec le segment sol prêt, une bonne partie des satellites sur orbite,
les services Galileo seront bientôt disponibles. Les services initiaux seront annoncés vers la fin de l'année. Pour cela, nous devons avoir un minimum de satellites et le segment sol en place. C'est presque en place maintenant. Nous vérifions actuellement si tout fonctionne bien, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment, nous pourrons commencer à utiliser les services de Galileo. Déjà progressivement, les signaux Galileo se combinent avec ceux du GPS, ce qui augmente la précision des données de positionnement dans les mobiles ou les véhicules, etc. Belle perspective, cette mise à disposition des utilisateurs des services du premier système civil de navigation par satellite. Une nouvelle étape pour l'ESA et la Commission européenne. Et l'ESA va continuer à tester d'autres services qui pourraient devenir opérationnels une fois que le système sera complet au sol et dans l'espace. À ce jour, Soyouz possède 4 lieux de lancement et au total 8 bases. Les historiques, bien sûr, à Plessetsk, 4 sites, ou Baïkonour, 2 sites, l'exotique avec Kourou, 1 site, depuis le 21 octobre 2011. Eh bien, il convient d'ajouter le petit dernier, le très oriental Vostochny, situé près du fleuve Amour et non loin de la frontière chinoise en Sibérie orientale. Il a été inauguré le 28 avril dernier par le vol d'un Soyouz 21A. Avec 15 vols en 5 ans et bientôt 40 satellites mis en orbite, on peut dire que Soyouz a bien réussi sa version tropicale. Plus d'un quart d'heure de vol, la station Santa Maria aux Açores a pris en charge le suivi du lanceur et tout va bien à bord. Justement, ces stations collectent plus d'un millier de paramètres en vol et 100 à 120 sont décortiqués, utilisés en direct pendant la mission. Par la suite, le contrôle visuel immédiat se transforme en contrôle visuel différé. Il va exploiter la totalité des données et traquer la moindre variation, scruter les réactions en vol et constituer ainsi une mémoire de vol complète. Arianespace possède ainsi une bibliothèque de vol hors normes. Quelques précisions à propos des satellites. Leur masse individuelle, je le disais, est légèrement supérieure à 714 kg. Ce sont des parallélépipèdes de 2,70 m de long pour une section de 1,20 m par 1,10 m. Donc ce ne sont pas des grandes plateformes. Une fois les panneaux solaires déployés, l'envergure sera de près de 15 mètres tout de même. La construction de la plateforme est confiée à OHB, on en reparlera tout à l'heure. Et la partie charge utile et à SSTL. Prenons le temps maintenant justement de revenir sur les points forts en détail de ce programme européen Galileo. Point fort face aux concurrents américains et russes, certes, ou encore chinois et indiens. Il ne faut pas les oublier. Galileo, par le menu, comment ça marche ? Alors Galileo, comment ça marche? Les 30 satellites qui tournent autour de la Terre sont contrôlés par un réseau terrestre mondial. Deux centres de contrôle traitent les signaux de navigation et supervisent la bonne santé de la constellation. Ils suivent les satellites et leur envoient des ordres par les stations de télémesure et de poursuite. Acquisition de la télémesure, les signaux satellites transmettent le temps Galileo ainsi que les informations de position. Ces signaux sont reçus par les stations de détection qui les renvoient au centre de contrôle Galileo. Toutes les données de navigation sont alors traitées puis téléchargées dans les satellites par les stations montantes. Le réseau de stations montantes a ainsi pour rôle d'envoyer les données aux satellites. Il y a 5 stations montantes autour du globe, 4 sur l'équateur et une près du pôle Nord. Grâce à ce réseau sol, votre récepteur calcule votre position avec une extrême précision. Votre instrument de navigation calcule sa distance par rapport au satellite Galileo en mesurant le temps que met le signal à l'atteindre. Avec un satellite, vous pouvez être n'importe où dans un cercle.
Et comme le temps de votre récepteur n'est pas très précis, 4 satellites sont nécessaires pour calculer votre position exacte qui sera dans la zone de recouvrement des cercles. Avec 30 satellites, on couvre le monde entier. Galileo offre une grande variété d'applications. Dans les airs, au sol et en mer. Vous remarquez sur la courbe un effet toboggan. Eh bien, c'est une façon d'utiliser, en faisant redescendre légèrement le composite et ses passagers, de lui redonner de la vitesse pour enfin, comme ça, partir et atteindre l'objectif qui est encore loin, puisqu'on est à un peu plus de 7000 km. Il faut aller à plus de 23 000, je vous le rappelle. En bas de l'écran, vous le voyez, la vitesse qui est en mètres secondes, mais également l'altitude qui elle est en kilomètres. Rappelons l'objectif du soir qui est aux environs, je le disais, de 23 544 km. Alors que le frégate travaille toujours, il est dans ses dernières secondes, dernières minutes de travail. Donc 23 544 km d'altitude et une inclinaison 57,4 degrés par rapport à l'équateur. On peut donc dire que c'était un lancement nord-est. Les satellites FOC mission 5, donc portent les numéros 13 et 14. Ils seront largués sur une orbite nommée Plan A par l'ESA. Ils seront rejoints en novembre prochain par 4 autres satellites de la constellation Galileo. Les équipes de l'ESA auront alors la tâche de les espacer suffisamment sur ce plan afin qu'ils assurent la couverture terrestre voulue. L'ESA a ainsi défini pour l'heure 3 plans de travail pour cette constellation. Si vous êtes habitué des lancements Galileo, vous vous souvenez peut-être que des enfants de toute l'Europe ont participé à un immense concours de dessin en 2011 à l'initiative de la Commission européenne. Et certains d'entre eux ont vu leur prénom tiré au sort pour baptiser les satellites. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui sont en vol le satellite de la luxembourgeoise Alizé et du jeune estonien Danieli. Alizé, Danieli sont en vol aujourd'hui. Frégate va donc être éteint après 23 minutes et 32 secondes de vol. Première extinction, il sera rallumé un petit peu plus tard. Frégate qui va être mis ainsi que ses passagers en mode barbecue. Comprenez qu'il va tourner sur lui-même. Effectivement, on va rentrer dans une phase balistique, 3 heures de phase balistique, et il ne faut pas présenter toujours le même côté au soleil sous peine de dégâts sur le composite. On donne donc une légère impulsion pour que le frégate se mette en rotation, d'où ce terme de barbecue. Il y aura donc extinction, puis cette phase balistique, et il faudra attendre bien justement l'altitude voulue, 23 544 km, pour que le frégate soit de nouveau allumé. Jusqu'à présent, il va avoir des progressions en ellipse, et une fois qu'il sera arrivé aux 23 544 km demandés, eh bien, il va falloir le circulariser. Et avant de pouvoir larguer les passagers, ce sera 3h47 minutes et 57 secondes après le décollage. Au début du travail de frégate, tout à l'heure, il restait seulement 7 tonnes 7 en vol. Sur les 313 tonnes du décollage tout de même, après moins d'une demi-heure de vol, compte tenu de la consommation des ergols, il doit rester en vol à peine 1% de la masse initiale. On doit avoisiner les 3 tonnes à 25 minutes de vol.
Le service EGNOS, vous avez déjà dû en entendre parler, il s'agit du European Geostationary Navigation Overlay Service, soit en français, Service Européen de Navigation par Recouvrement Géostationnaire. Eh bien, il s'agit d'un géopositionnement satellitaire très largement amélioré, tellement amélioré qu'on s'en sert beaucoup dans l'aviation. La navigation par satellite fait désormais pleinement partie de notre vie quotidienne. Un domaine où c'est devenu incontournable, le trafic aérien. Pour cette activité critique, l'Agence spatiale européenne, la Commission européenne et Eurocontrol, l'Organisation pour la sécurité du trafic aérien, ont développé EGNOS, en service depuis 2011 et qui améliore le système GPS actuel. EGNOS augmente la précision et assure l'intégrité des positions fournies. C'est devenu un outil des plus fiables pour les pilotes, une aide quelles que soient les conditions météo. Avec le nouveau système EGNOS, qui est beaucoup plus précis que le système habituel GPS, nous pouvons aller plus près du sol et nous sommes capables de voler dans une météo avec des nuages plus bas, une visibilité plus limitée que ce à quoi nous sommes habitués. Ici au Danemark, ces ambulances de l'air, ces hélicoptères de sauvetage sont plus souvent qu'à leur tour confrontés au mauvais temps et à une visibilité limitée. Avant EGNOS, jusqu'à 10% des missions devaient être annulées à cause des mauvaises conditions. Une tragédie pour les malades pour qui une arrivée rapide dans un hôpital peut être une question de vie ou de mort. Maintenant, avec EGNOS, trois satellites géostationnaires et un réseau sol fournissent des signaux sûrs aux récepteurs dans les avions ou les hélicoptères. Cela augmente d'1,50 m la précision des données de positionnement avec une garantie de l'intégrité de la qualité du signal. Nous avons besoin de cette précision en raison du relief. Nous passons très très près des montagnes et c'est pour cela qu'il nous faut un système satellite non seulement très précis, mais aussi très fiable. Le nombre d'appareils utilisant EGNOS est en croissance permanente. Par exemple, le service de sauvetage aérien suisse, qui fait plus de 11 000 missions par an, a équipé ses hélicoptères avec cette nouvelle technologie, devançant l'adaptation nationale à EGNOS. EGNOS est aussi valable pour l'aviation parce qu'il peut remplacer les systèmes de guidage au sol classiques nécessaires pour les atterrissages, ce qui offre des économies dans les coûts d'infrastructure au sol des aéroports. À Eurocontrol, les experts sont convaincus des bénéfices d'EGNOS. EGNOS pourrait apporter un service plus performant, on va dire, que dans le passé, et donc permettre l'accès à un aéroport dans des conditions de météo défavorables. Donc une meilleure ponctualité, moins de retard, ou pas de diversion vers un aéroport alterné. De plus en plus d'aéroports en Europe sont maintenant certifiés pour les manœuvres d'atterrissage avec EGNOS. Et ce qui se passe avec le trafic aérien sera sûrement étendu à beaucoup d'autres applications qui ont besoin de signaux de navigation garantis. Bientôt, EGNOS augmentera à la fois GPS et Galileo. S'appuyer sur deux constellations va encore améliorer les performances et la fiabilité. Prenons le temps à présent de découvrir le constructeur des plateformes des satellites, OHB, qui est un constructeur allemand installé à Brême et qui a remporté les deux premiers appels d'offres de Galileo, le premier en janvier 2010 pour 14 unités et le second en février 2012 pour 8 unités. Ces deux contrats dépassent 800 millions d'euros, 821 millions pour être précis. OHB donc va livrer à terme 22 satellites pour la constellation. Depuis 2013, il est épaulé dans cette tâche par Astrium et Thales Alenia Space. Un troisième appel d'offres est en cours qui va porter sur 6 à 10 satellites supplémentaires, voire plus. Au final, donc, la constellation pourrait compter au minimum 32 satellites. Profitons-en donc pour découvrir un peu mieux OHB au travers du film qui nous est proposé par Manuel de Oliveira, notre réalisateur, et ses équipes. Siège d'OHB à Brême, l'intérieur de la salle blanche Galileo sur îlot de fabrication 1.
là où l'intégration mécanique des satellites de navigation Galileo FOC démarre. Le dernier satellite, modèle 22, a terminé le premier partie de l'intégration mécanique sur îlot 1 et prêt à être expédié à l'îlot 2 pour les premiers essais électriques. Les collègues d'OHB A1 sont en train de préparer le mariage ANSI, nom de modèle de vol 18, qui veut dire charge utile recontre-plateforme. La conception modulaire et flexible d'OHB permet une grande flexibilité dans l'assemblage, l'intégration et le test et répond à la fois aux normes de qualité les plus exigeantes d'ESA. Nous avons ici à Brême 7 îlots, nous avons un mix d'îlots mécaniques de test. Nous commençons par les îlots mécaniques, passons ensuite aux îlots de test jusqu'à que nous atteignons notre configuration. À Brême, notre objectif est d'achever un satellite tous les 6 semaines. L'intérieur d'une autre salle blanche d'OHB, les satellites Galileo FOC sont soumis à des essais au niveau système avant d'être expédiés à l'ESTEC, à Noordwijk, aux Pays-Bas, où ils sont soumis à la campagne d'essais en environnement. Parallèlement à la fabrication de sa flotte FOC, OHB travaille déjà activement sur le développement de la prochaine génération de satellites de navigation pour l'Europe. Pour en savoir plus sur OHB, une des sociétés leaders dans les systèmes spatiaux en Europe, rendez-vous sur www.ohb.de. Galileo FOC, satellite d'OHB. Une petite précision, mars 2015, mai 2016, en un peu plus d'un an, Ariane Espace aura mis sur orbite 8 satellites FOC. Pour la constellation Galileo. Et je vous le disais, les 12 prochains satellites vont constituer un défi technologique pour Ariane Espace, car les charges utiles seront lancées 4 par 4. Premier décollage d'un quatuor, ce sera le 17 novembre prochain. Ce seront des vols Ariane 5 en version ES. Pas besoin de faire appel aux fortes capacités d'emport de l'Ariane 5 ECA. 4 satellites FOC, cela représente une masse légèrement inférieure à 3 tonnes. Tout à fait possible donc en version ES. Le plafond était bas, alors on va revoir les images de ce décollage dans quelques instants. Plus de 30 minutes maintenant de vol, il y a encore long à parcourir. Et on pourra se retrouver après une pause en compagnie de Sylvain Lodeau de l'ESA pour justement évoquer la mission qui débute à peine pour ces deux satellites. Voilà donc ce décollage depuis la Guyane, du 15e Soyouz, dans sa version tropicale. C'était il y a un peu plus de 32 minutes maintenant. Tout se déroule normalement à bord. On va se retrouver après 3 heures de pause, alors que l'on revoit, on s'en lasse pas, ce décollage. Voilà donc, nous rentrons dans une très très longue phase balistique. Plus de 3 heures. Un nouvel angle pour le décollage depuis le site de Sinnamary, non loin de Kourou en Guyane française. On n'a pas pu suivre longuement ce Soyouz puisqu'il y a eu un plafond très bas. La période est à la pluie et aux nuages. Mais nous avons pu quand même avoir ces images du décollage sous différents angles grâce à la régie de Manuel de Oliveira. Nous marquons donc une pause. On se retrouve après 3 heures d'attente pour vivre les derniers instants de cette mission Galileo 13 et 14.
Soyez les bienvenus de retour en salle Jupiter, au cœur du centre spatial guyanais à Kourou. Soyouz, 15e du nom sur l'équateur. Les satellites Galileo 13 et 14, deuxième partie. Merci de nous rejoindre et d'avoir été patients. Nous allons vivre ensemble la fin de la mission, avec la séparation dans quelques minutes des passagers de la mission FOC M5 pour le compte de l'agence spatiale européenne. Un petit rappel, décollage à 5h48 et 43 secondes, heure de Kourou, c'était il y a plus de 3h36 maintenant. 313 tonnes s'élèvent dans le ciel guyanais. Voilà donc ce 15e Soyouz depuis l'Équateur. Vous aurez remarqué que la couverture nuageuse était relativement basse et qu'on n'a pas pu suivre le lanceur. Les conditions météo étaient juste bonnes, mais on n'a pas pu le suivre. Là, vous voyez le largage de la coiffe, c'était au bout de 3 minutes 39 et on allège à chaque fois. Puis il y a eu une séparation chaude à 4 minutes 48 avec l'allumage du troisième étage, puis la séparation du deuxième étage. Et puis, à moins de 10 minutes de vol, séparation du troisième étage. Et alors, seule frégate était en vol avec ses passagers. 10 minutes 24, allumage du frégate pour 14 minutes de poussée. Il restait alors moins de 8 tonnes en vol. Et puis 23 minutes et 32 secondes de vol, extinction du frégate, mise en rotation barbecue et début de la phase balistique qui a été longue de plus de 3 heures et qui va bientôt s'achever, qui s'est même achevé, puisque on va avoir dans quelques secondes un allumage, deuxième allumage du frégate. Voilà qui, logiquement, doit être fait. Deuxième allumage, un peu plus de 4 minutes de travail. Et frégate va circulariser l'orbite et ainsi pouvoir procéder au largage simultané de ces deux passagers. Une fois injectés sur les orbites assignées, les satellites sont pris en charge et suivis par le centre de contrôle Galileo de l'ESOC à Darmstadt en Allemagne. Et justement, à mes côtés pour commenter cette fin de mission, Sylvain Laudeau. Bonjour Sylvain. Bonjour Thierry. Alors, vous êtes responsable du segment sol du programme Galileo. Qu'est-ce que cela recouvre ? Alors le segment sol, il remplit en particulier la fonction de contrôle des satellites en orbite. Mm-hmm. Ça veut dire réception de télémesures et envoi de télécommandes. Et ensuite, il y a une autre fonction importante qui est le calcul des messages de navigation. On vient d'entendre le DDO, le deuxième allumage frégate, est donc confirmé. Je crois qu'il y a un logiciel spécifique qui a été développé, c'est ça, pour pouvoir assumer ces tâches ? Oui, en fait, on a un très gros logiciel. C'est un gros logiciel. Voilà, qui a plusieurs millions de lignes de code, qui est distribué sur de nombreux sites opérationnels. Donc, on a, par exemple, on a deux centres de contrôle, un en Allemagne, un en Italie, et on a de nombreuses stations déportées tout autour du globe. On a cinq stations de poursuite et de télécommande et de télémesure, c'est ce que vous me disiez. Oui. Mais ce ne sont pas les seuls. Non, exactement. Donc on a aussi des stations qui font la transmission de ces messages de navigation aux satellites. On a également cinq stations. Et par ailleurs, on a 15 stations de réception, de détection des signaux. Oui. On a également un autre service, un autre réseau, qui sont les balises SARSAT. COSPAS, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, alors dans le cadre de Galileo, on participe à la mission de recherche et de sauvetage, donc SARSAT COSPAS, qui sauve des vies toutes les années. Donc on a développé un segment sol spécifique avec trois stations de réception de ces alarmes qui sont relayées par des charges utiles embarquées sur nos satellites. Ça veut dire que sur la zone européenne, vous proposez un service qui vient compléter l'existant pour qu'il soit encore plus fin. Tout à fait. Et on a une station à Svalbard, donc tout au nord de l'Europe, et une station également aux Canaries et à Chypre. Et à l'intérieur de ce triangle, on couvre vraiment bien
bien l'Europe. Et on couvre en plus d'une façon très efficace, parce que nous avons ajouté un concept qui est de faire travailler ces stations ensemble. Vraiment ensemble. Oui. Alors, on a vu une mission double pour Galileo. On a le bon fonctionnement des satellites en orbite, mais également le bon fonctionnement des services. Ça, c'est les deux choses que vous avez à faire. On rappelle que Galileo, c'est navigation et de l'autre côté, recherche et sauvetage. Ce sont les mêmes équipes ou pas qui gèrent tout ça? Alors, en fait, au niveau des opérations et des services qui correspondent à cela, on a effectivement des sociétés différentes. Donc on a par exemple pour la navigation une société qui s'appelle Space Opal. D'accord. Et pour le recherche et sauvetage, en fait, c'est le CNES qui est chargé d'opérer ce système. Alors, il va falloir attendre la fin de l'année pour bénéficier des services de Galileo, si j'ai bien tout compris. Comment est-ce qu'on va faire? Comment monsieur tout le monde, comment moi et mon entourage, on pourra bénéficier de ces services? Alors, en fait, il n'y a rien à faire. Hein. Ça va venir tout seul. En réalité, c'est pour ça que la Commission européenne va déclarer ce qu'on appelle les services initiaux. Pour D'accord. annoncer au monde que voilà, Galileo est là et est prêt à fournir tous les services annoncés. Et ça va déclencher très certainement sur les fournisseurs de services. L'annonce que Galileo est à l'intérieur de leur solution. Donc ça veut dire, je prends un exemple très concret, puisque pour une utilisation, un usage fréquent, je prends par exemple soit le portable pour le smartphone pour se diriger dans une ville, soit ma voiture, oui. Les constructeurs signaleront que ce qui est à l'intérieur est équipé de Galileo. De Galileo, tout à fait. D'accord. Et ça, en fait, ça correspondra à une amélioration du service très sensible, en termes en particulier de disponibilité de signaux de bonne qualité. On a eu pendant notre discussion une extinction il y a une poignée de secondes. Donc ça y est, le frégate a fini son travail, en tout cas pour les satellites, on y reviendra tout à l'heure. Donc on est en attente de séparation. Je vous rappelle qu'elle doit, si tout va bien, avoir lieu d'ici environ 4 minutes. Sylvain, comment est-ce qu'on peut retrouver, comment on s'y retrouve dans tous ces satellites? Parce que, rappelons-le quand même, il y a eu les vols expérimentaux, les vols de validation, maintenant les FOC. Oui, c'est vrai. Vous c'est avez un peu donné compliqué. Des noms, des chiffres, comment ça s'est passé? Oui, alors les satellites expérimentaux, on leur donne des lettres, donc c'est Jove A et B. Deuxième extinction. Voilà, la deuxième extinction est officiellement confirmée par le DDO. Ensuite, on a quatre satellites IOV, donc pour la validation en orbite. Frigate. Et qu'on a identifié avec des chiffres. Et donc on les appelle de 1 à 4 avec, en commençant par 1. Donc c'est 101 à 104. D'accord. Jusque-là, ça va. Voilà. Et ensuite, on a les satellites effaucés. Donc on en a 22 commandés jusqu'à présent. Et donc on les a identifiés de 201 à 222. Voilà. Donc avec ce satellite-là, ce lancement-là avec Soyouz, on parle des satellites 209-210, qui sont donc les numéros 13 et 14 de la constellation opérationnelle. Alors, si je suis ce raisonnement, quelles sont donc les nouvelles des satellites 201 et 202, c'est-à-dire les numéros 5 et 6 de la constellation? On se souvient que leur orbite n'avait pas été totalement atteinte. Ils sont, c'est une très bonne nouvelle, pas inopérants pour autant. Oui, tout à fait. Là, on peut en parler un petit peu plus. Donc, on a en fait pu les mettre sur une orbite elliptique. Néanmoins, le lancement n'était pas nominal, mais il était sur une orbite elliptique avec un périgée, donc qui est le point le plus proche de la Terre, à une altitude de 13 000 km. Et ça, c'était pas très bien, parce que c'était trop bas pour permettre un fonctionnement, disons, normal du satellite, à cause des senseurs qui détectent la Terre, qui étaient trop proches de la Terre. Donc on a dû mener toute une série d'opérations sur plusieurs mois, pour plusieurs semaines, enfin plus qu'un mois en tout cas, pour remonter ce périgée en un peu plus de 16 000 km. Et ça a été suffisant pour qu'il puisse fonctionner de façon normale. La mission a-t-elle été redéfinie pour autant? Non, pas vraiment, parce que pour la partie recherche et sauvetage SAR, en fait, on a la charge utile qui fonctionne sur cette orbite-là de façon tout à fait normale. C'est une très bonne nouvelle, surtout. Oui. Et pour la partie navigation, on est en train de terminer des mises à jour du segment sol pour permettre d'utiliser ces satellites pour la mission de navigation dans des conditions très proches des autres satellites nominaux. Alors il y a un autre satellite qui finalement va trouver une autre utilisation, c'est le 104, il s'agissait du dernier IOV.
Oui, alors pour celui-ci, on a eu il y a quelques années un problème en orbite. Là, c'était plus chaud, oui, effectivement. Oui. Et on a perdu en fait une partie de la transmission. Donc maintenant, on émet sur une seule des trois bandes de fréquence qu'on a prévu d'utiliser, et ça rend cette situation pas suffisante pour le service de navigation que nous prévoyons, qui prévoit deux bandes de fréquence. Mmh. Ceci étant dit, on a la charge utile de SAR, Search and Rescue, qui est opérable tout à fait normalement et qui est utilisée. Et donc on utilise ce satellite pour tester, par exemple quand on veut faire des mises à jour de logiciels à bord du satellite, on utilise ce satellite en premier et ensuite on est plus serein pour le faire sur les autres. C'est un satellite de validation en quelque sorte. Ça sert aussi à ça maintenant, oui. On est à une minute du largage des deux charges de ce soir, un petit peu plus de 714 kilos chacune. Donc Alizé, la luxembourgeoise, et Daniele, l'estonien, qui vont débuter une carrière de 12 années, on va dire. Hein, oui. Au moins ce qui est attendu. Et qui vont être... On reviendra tout à l'heure, justement. On va revenir sur cette notion de plan, les plans A, B et C. En tout cas, là, ils vont être largués sur le plan A et commencer à être déployés. Il y a beaucoup de choses qui se passent, justement, en début de carrière. Il faut alimenter tout de suite ces satellites. Donc, on va s'employer à déployer les panneaux solaires. Les panneaux solaires, oui, très vite. Ça, c'est important. Il faut de l'électricité, il faut vite de l'électricité. Donc c'est une des toutes premières tâches. Et logiquement, la séparation, on va attendre la confirmation cette fois-ci. Visiblement sur les pupitres, on n'est pas tout à fait libéré encore. On voit là en polo rose les constructeurs OHB de Brême. C'est un moment important là. C'est toute la carrière de ces deux satellites qui se joue à ce moment-là. La qualité de l'injection, vous l'avez bien expliqué avec ce qu'on a vécu avant, la qualité de l'injection, c'est vraiment ce qui détermine tout l'avenir de ces charges utiles. D'ailleurs, on les lance sur une orbite qu'on appelle l'orbite cimetière. Parce qu'au cas où on a un problème avec ces satellites, on ne perturbe pas plus que cela le reste de la constellation. Et si ces satellites fonctionnent comme on l'attend et qu'on peut les rendre opérationnels, on va les descendre 300 km plus bas, voilà, sur l'orbite définitive. Oui, la pratique veut qu'on injecte plus haut, j'allais dire légèrement, tout est relatif, c'est plusieurs centaines de kilomètres quand même, et puis après on va les descendre tranquillement. C'est ce qui demande de toute façon, moins, on le comprend bien, moins d'énergie. Réparation en Galileo x M5. Visiblement, la confirmation est là, mais il faudra qu'on attende quand même, c'est combien, 25 minutes pour avoir confirmation du vrai succès de la mission. Oui, maintenant ce qui va se passer, c'est que les satellites vont se réveiller et ils vont lancer un programme automatique, ils vont émettre un signal d'acquisition qui va permettre au sol de savoir très vite si ça se passe comme attendu. On va revoir le décollage, là, justement, proposé par Manuel de Oliveira et son équipe. Donc, écoutez, c'était il y a pratiquement 4 heures de cela, ce décollage ici à Kourou. Une longue mission, très longue mission, et qui n'est pas encore tout à fait achevée pour ceux qui restent en vol, puisque il faudra encore 3 heures pour passiver l'étage, ce qui reste de l'étage frégate. Il ne faut pas laisser comme ça des débris, on nettoie un peu hein, avant de partir, il ne faut pas laisser traîner des choses. Les orbites ont besoin de rester saines. Et puis, eh bien, les satellites vont petit à petit se mettre au travail. Il va y avoir les premières conversations et on vérifiera tout cela. D'ici une vingtaine de minutes, on aura un message, ce qui peut nous laisser comprendre qu'on est serein dans le bocal, comme on dit, mais on n'est pas non plus en train d'exploser de joie. On va attendre un petit peu encore.
On a vu Paul Verhoeven aux côtés de Thierry Fahem, puis l'équipe d'OHB qui sont donc sur ce pupitre qu'on a l'habitude d'appeler le pupitre client. L'Agence spatiale européenne qui est en première ligne. Oui, ce qui se passe maintenant, donc, c'est que bon, on va voir si on acquiert le signal. Ça donnera déjà un premier, élément. C'est un premier élément très important. Et ensuite, le satellite donc, va déployer sa séquence automatique et en particulier, comme vous l'avez indiqué, déployer les panneaux solaires pour le plus vite possible se mettre en situation sûre au niveau énergie et donc se tourner vers le Soleil pour être dans une situation stable. En fait, c'est un vrai réveil des deux satellites. Ça, c'est à ce moment-là. On peut dire qu'ils ont été endormis tout le long du voyage. Et puis là, il faut s'assurer qu'ils se sont bien réveillés. Voilà. Alors, si on disait séparation plan A, il y a trois plans actuellement qui sont prévus par l'agence, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, trois plans inclinés à 56 degrés par rapport à l'équateur. Et alors, ce que l'on va faire, c'est mettre 8 satellites au moins sur chaque plan. Et on mettra en plus des satellites redondants sur chaque plan. Aujourd'hui, en fait, on remplit le plan A avec 2 satellites de plus, donc on en aura 4, sachant que les plans B et C ont déjà 4 satellites. Uh-huh. Voilà. Et les lancements à venir, justement par groupe de 4, iront sur chacun des plans ? Voilà, chacun des plans. Donc, avec novembre, les 3, ce sera pour le plan A, et puis par la suite, plan B et plan C. Et on injectera comme ça à chaque fois et puis c'est aux équipes de trouver l'écartement suffisant entre les différents satellites pour que la couverture soit bonne. Exactement, la couverture la plus distribuée possible. Donc ça va prendre quelques semaines, une fois qu'on aura testé que les satellites sont en bon état, on va les faire dériver sur leur orbite jusqu'à leur position définitive. Alors, on parlait de cette mission 4x4, dont la première avec une Ariane 5ES est fixée au 17 novembre prochain. C'est un vrai défi technologique, oui. À nouveau là. Oui, également, c'est un nouveau pas important, effectivement, pour Galileo, ce qui nous permet d'accélérer la fin du déploiement. On nous signale qu'il faut encore, visiblement tout va bien, nous dit-on, mais il faut encore patienter un petit peu pour avoir confirmation définitive de la bonne santé des deux satellites. Donc oui, défi technologique, parce que bon, somme toute, la masse ne fait pas peur à Ariane 5, puisqu'on sera aux alentours un tout petit peu moins de 3 tonnes, donc elle sait faire ça. Mais c'est 4 d'un coup, ça demande un adaptateur particulier, il va falloir réfléchir à comment on dispose et on éjecte tout ce petit monde. Oui, tout à fait. Et puis en plus, il faut amener ces satellites sur leur orbite définitive. Donc ah oui, il faut la monter. C'est le contraire de ce qu'on est en train de vivre maintenant, où on détermine une orbite supérieure, puis on redescend. Là, il faudra aller directement sur l'orbite ou on va procéder comme non, ça encore. C'est le même principe. C'est toujours le même principe. Mais le lanceur devra monter ses satellites à cette orbite-là. Donc c'est vrai que Ariane 5 est très puissante. Elle peut lancer des très gros satellites, mais à une orbite de transfert géostationnaire. Généralement, c'est plus orbite plus basse, bien entendu. Toujours en attente de confirmation. Plus on rajoute de satellites, plus le service est fiable, c'est bien ça ? Oui. Là, au début, on augmente aussi beaucoup la performance parce qu'on a des conditions géométriques qui sont meilleures que ce qu'on a à présent. Mais ensuite, cet effet-là s'estompe et c'est vraiment la partie disponibilité du service, robustesse qui apporte ce qu'on attend de ce genre de service. Hein. Oui, parce que là, il y a un des grands atouts quand même de Galileo, c'est non seulement d'avoir une information précise, mais c'est surtout de la transmettre dans des conditions optimales. Avec une garantie de cette condition optimale. Oui, c'est vrai qu'on a c'est très robuste, c'est très, très fiable. Et donc, si on ajoute maintenant pour une utilisation classique les satellites Galileo en plus des satellites GPS pour un utilisateur standard, il a vraiment tous les moyens d'avoir une information très fiable. C'est pour ça que si la constellation, avec le troisième appel d'offres qui est en cours, on va au-delà du nombre annoncé, des 6 ou 10, peut-être plus, ce n'en est que mieux pour cette fiabilité et cette transmission.
tout à fait. Voir qu'il y a beaucoup de, maintenant de logiciels embarqués sur les, quand on utilise ce genre de service qui permettent d'isoler les satellites qui ont manifestement une, qui donnent des indications qui ne sont pas tout à fait correctes ou oui, pas tout à fait aussi bonnes que d'autres. Et donc voilà, donc plus on a d'informations, plus on a de satellites, plus on a d'informations, mieux le service est précis et fiable. Et après, tous les 12 ans, il faudra renouveler la flotte ? Oui, donc il faudra là aussi procéder avec des lots supplémentaires et effectivement le faire en fonction de la durée de vie effective de nos satellites. Et je suppose qu'on calcule, on échelonne comme ça pour pas avoir à trop à lancer en renouvellement. On essaye quand même d'échelonner comme ça de 2 ans, de 3 ans, ce qui est le cas un petit peu là, avec Jove A et B, puis IOV, puis les autres. Oui, pour ce genre de constellation, c'est jamais un Big Bang. Oui. On ne refait pas tout depuis le début, c'est tellement compliqué pour en arriver où nous en sommes. Donc c'est plutôt effectivement une régénération progressive en fonction en fait de la durée de vie des satellites que nous avons déjà. Et puis surtout, il y a un aspect très important, c'est qu'il s'agit de ne pas avoir de services dégradés alors qu'on est en train de réinstaller de nouveaux, des remplaçants de satellites qui quittent la course. Donc c'est important de continuer à avoir un service cohérent, fin, performant, tout en maintenant des satellites à poste qui sont en mesure de prodiguer donc ce service. Ce service, oui. Nous sommes toujours en attente des informations de confirmation. Rappelons donc 2 satellites en vol, les 13 et 14 de la constellation. On est quasiment à la moitié, un petit peu moins de la moitié du déploiement global de la constellation. La constellation maintenant, oui. Bonjour, aujourd'hui Soyouz va mettre sur orbite les 9e et 10e satellites de la série des Galileo de la phase dite de capacité opérationnelle, construit par OHB en Allemagne et emportant une charge utile fournie par SSTL en Grande-Bretagne. 4 satellites de plus sont en phase avancée de production et en test pour être lancés en novembre avec Ariane 5, spécialement adapté à la mission Galileo. Cette campagne de lancement a commencé début avril et les satellites ont passé une série de tests et d'activités préparatoires. Tout s'est bien passé grâce à l'excellent travail d'OHB, SSTL, Arianespace, CNES et ESA. Après le décollage, après environ 4 heures, les satellites seront séparés du lanceur et vont effectuer une séquence d'opérations automatiques commandée par leur ordinateur de bord. Cela comprendra la stabilisation de l'attitude, le déploiement des panneaux solaires et finalement le pointage du satellite vers le soleil permettant la recharge des batteries. La séquence sera suivie par le centre de contrôle Galileo à l'ESOC à Darmstadt en Allemagne via un certain nombre de stations sol. Après la séquence initiale, les satellites passeront par une série de vérifications pour confirmer le bon état des équipements. Après 6 jours, les satellites recevront l'ordre d'aller doucement vers leur position orbitale en utilisant leur système de propulsion. Après quelques 3-4 semaines, les charges utiles seront activées, les essais sur orbite débuteront et dureront plusieurs semaines afin de caractériser les performances des charges utiles de navigation et de recherche et sauvetage. L'orbite testing will start and will last for several weeks, aiming at characterizing the performance of the navigation payload. Au milieu de l'été, les 2 satellites seront déclarés opérationnels et finalement inclus dans les opérations nominales de la constellation Galileo, rapprochant le moment de la fourniture des premiers services. Thank you.
Voilà donc pour ce qui attend les deux satellites dans les prochaines heures, détaillé par Giuliano Gatti, un de vos collègues de l'Agence spatiale européenne, Sylvain. Vous vous connaissez bien. Ah, cela bouge dans la salle Jupiter. Prise de parole de Stéphane Israël. Mesdames et messieurs, la mission est maintenant terminée. Toutes les informations que nous avons reçues sont tout à fait positives. Les opérations des satellites ont commencé après la séparation nominale et nous sommes maintenant juste en train d'attendre encore quelques minutes, peut-être 10 ou 20 minutes. Nous avons quelques minutes donc à attendre pour nous assurer que véritablement tous les paramètres sont ceux attendus. Mais ce sera un beau jour pour l'Europe, j'en suis certain. Je reviendrai vers vous dans quelques minutes, donc. Voilà donc pour cette première déclaration, confirmation par Stéphane Israël. Plutôt satisfait. Néanmoins, tout le monde attend encore un peu. On aime bien être prudent quand même dans le milieu du spatial. Il ne faut pas de mauvaises surprises. On a vécu un épisode. Voilà, exactement. On parlait de la Commission européenne, justement. Ben, voyons un reportage. Galileo, le système européen de navigation, de satellites en orbite et de stations au sol, fournira bientôt des données de positionnement, de navigation et de référence temps partout dans le monde. C'est l'aboutissement de l'effort de 5000 personnes travaillant pour différentes entités en Europe. À la fin des années 90, des responsables politiques européens visionnaires ont compris que l'Europe avait un intérêt stratégique à se doter de son propre système de navigation par satellite. La décision prise aujourd'hui par le Conseil est une décision clé pour aboutir dans l'un des projets technologiques les plus ambitieux, ou pour ne pas dire le projet technologique le plus ambitieux au niveau européen. L'Union européenne et ses États membres ont travaillé ensemble pour définir et bâtir le système sous la houlette de la Commission européenne et grâce à l'expertise technique de l'Agence spatiale européenne. Le Parlement et le Conseil européen ont demandé à la Commission de gérer le développement de Galileo. My strategy is also very simple, built on what we have achieved. I will focus work in three areas: deploying the infrastructure, providing services as they come on stream, and establishing Galileo in the market. Bientôt, tout le monde à la surface du globe pourra utiliser gratuitement les signaux de Galileo et ainsi définir sa position avec un niveau de précision inédit. Grâce à l'accord signé en 2004 avec les États-Unis, Galileo fonctionnera en parfaite harmonie avec le GPS. En permettant de localiser rapidement et avec précision les balises de détresse, Galileo facilitera les opérations de recherche et de sauvetage et contribuera ainsi à sauver des vies. Galileo fournira également des outils de navigation sécurisés au gouvernement européen. Ce service public régulé pourra par exemple être utilisé dans le cadre d'opérations de police ou des gardes-côtes. En développant Galileo, l'industrie européenne a démontré sa capacité à maîtriser les technologies de la navigation par satellite. Au cours des prochaines années, alors que les capacités de Galileo vont croître, cette excellence technologique sera mise au service de chacun. En 2020, Galileo sera entièrement opérationnel et fournira des services de navigation à travers le monde. Et pour préparer l'avenir, nous travaillons déjà sur la prochaine génération du système Galileo, qui offrira encore plus de services et de précisions. Alors, EGNOS, on va revenir sur EGNOS pour l'aviation. EGNOS qui a été décidé et financé par la Commission européenne, l'Agence spatiale européenne et Eurocontrol, qui est l'organisme européen qui, lui, a en charge la sécurité de la navigation aérienne. Alors, EGNOS, par sa précision et sa fiabilité de communication de données, est très utilisé, on va le voir, en aviation civile. Il y a du coup une précision qui intéresse particulièrement
particulièrement les compagnies pour leurs avions en vol, mais également, on l'a vu tout à l'heure, les équipes de secours qui utilisent des hélicoptères dans des conditions qui sont parfois très délicates en matière de météo. Je pense notamment aux pays du nord de l'Europe. Qui ont besoin de décoller et d'aller secourir des personnes dans des conditions météo franchement pas optimales. Donc EGNOS vient pour leur donner un coup de main important à ce niveau-là. Toujours une attente de confirmation, vous l'avez entendu logiquement, puisque Stéphane Israël est venu au pupitre. La mission est déjà annoncée comme effectuée. Maintenant, à savoir si c'est un immense succès, eh bien, on va le savoir, puisque les satellites vont commencer à parler. Mais revenons tout d'abord sur EGNOS. Better accessibility to the smaller and regional airports anywhere, which is of high importance for business aviation. I don't think we've sold a receiver for the last 7 years that didn't include EGNOS capability. Having the LPV implemented on our aircraft allows us to deliver the service to the passengers. There is, in my mind, no doubt about it that EGNOS is really a major safety enabler in aviation. The skies above Europe are becoming increasingly congested, as are Europe's major airports. This growth in air traffic means smaller airports also need to be safely accessible at all times, which cannot be achieved by relying solely on non-precision approaches. However, precision approaches required a substantial investment in ground-based navigation aids, but not anymore. EGNOS, the European Geostationary Navigation Overlay Service, offers enhanced vertical as well as horizontal precision and integrity, improving safety, accessibility and efficiency for operators, pilots and airports across Europe. EGNOS is a satellite-based augmentation system that improves GNSS positioning using 3 satellites and a network of more than 39 reference stations in 24 countries, providing much greater accuracy than achieved through GPS alone. Here's how it works. Stations on the ground pick up signals from GPS satellites, which are then centrally processed. The accuracy of the original signals is determined, and factors such as ionospheric disturbances are taken into account. These data are incorporated into EGNOS correction signals and sent to its 3 geostationary satellites. The satellites then relay the signals back to users. The result is substantially improved horizontal and vertical positioning accuracy and data integrity. But how can EGNOS make a difference? EGNOS improves safety by providing pilots with accurate vertical guidance, increasing situational awareness, and reducing workload. Unlike old GPS approaches, which gave you only lateral guidance, the new approaches give you both a vertical as well as lateral guidance. If you can improve the safety of one of the most critical phases of flight, being the approach, you basically improve overall flight safety. EGNOS can also act as a backup for ground-based systems and is a key element of the future of air traffic management. EGNOS will be pivotal to provide reliable positioning for ADS-B. This is a new cooperative surveillance technology in which an aircraft determines its location using GNSS and periodically broadcasts it, enabling it to be tracked. EGNOS is a key portion of the ADS-B out technology and is going to allow more accurate transponder technology, more accurate air traffic control management, more accurate point-to-point positioning of aeroplanes for traffic avoidance. EGNOS can be a cost-effective alternative to ILS CAT 1, offering similar performance without the need for costly ground-based infrastructure and maintenance. The LPV approach allows us to make ILS
look-alike approaches with the same minimas, allowing the same service to the passengers, but without the ground-based aids. With the EGNOS procedure, at a very low cost, we can optimize the operations on the runway. The lower decision heights enabled by EGNOS can also reduce costly delays, diversions and cancellations. We started off with the basic LNAV approach, and that minimum was 500 feet. So that's the lowest a pilot could fly before he had to initiate a missed approach. An LPV using EGNOS brings it down to 250 to 300 feet here. When we get LPV 200, that will come down to 200 feet, so the aircraft can be a lot lower before it has to initiate a missed approach. All that is needed is an onboard EGNOS certified receiver, an adapted procedure for the runway end, and an adapted flight management system. For pilots, flying EGNOS approaches only requires limited training and will in many cases be smoother than using an ILS. Once you practice it and you perform it, it's quite simple. You feel that flight path is smoother and the maneuvers are smoother than flying an ILS. With an EGNOS procedure, even small and medium-sized airports and heliports remain accessible, even in poor weather conditions. Today we're being funneled to hubs and major airports. Tomorrow, with EGNOS and with LPVs, we will be able to fly to all the airfields and aerodromes and regional airports in Europe. For this kind of runway or airports who do not have an ILS today, you increase the accessibility because of the good performance of EGNOS. The helicopter receives more precise data, which improves positioning accuracy and reliability. This means we can fly closer to the ground safely. EGNOS can also reduce the impact of aviation on the environment by facilitating curved approaches and continuous descent paths, and therefore reduce both noise and emissions. We do continuous descents, so we end up with a lower noise print, we end up with less carbon emissions and a better fuel economy. For helicopters, EGNOS allows custom approach procedures to be developed from any direction using steeper approaches than those flown by fixed-wing aircraft, thereby avoiding densely populated areas. EGNOS was certified for civil aviation in 2011. Hundreds of EGNOS procedures have been published, and many more are under development at airports across Europe. The majority of navigation systems in today's aircraft and helicopters now integrate EGNOS. Furthermore, EGNOS is still improving. EGNOS V3, which will integrate Galileo, is under development, and EGNOS will be extended across and possibly beyond Europe. EGNOS can provide accessibility, safety, and cost savings in a single, proven solution by delivering high precision with a low investment. Voilà donc pour EGNOS, qui est un service, on l'a compris, on ne peut plus performant. Nous sommes toujours en attente de nouvelles concernant les deux satellites du jour. Ce que l'on en sait, sans tout dire, c'est que ça va plutôt bien, le dialogue est amorcé. Oui, tout à fait. Donc, bon, c'est déjà une bonne chose. Et attendons donc de savoir si, en gros, les panneaux, ce qui est important, c'est le déploiement des panneaux. Panneaux solaires, parce effectivement. Qu'il faut de l'alimentation. Mmh. Et puis, s'ils sont sur la bonne orbite. Alors, ça, c'est l'autre vérification. Et puis, par ailleurs, il faut étudier les télémesures que nous sommes déjà en train d'acquérir pour vérifier que tous les paramètres attendus sont corrects au niveau thermique, et ainsi de suite. Oui. Voilà, que tout ce petit monde est en bonne forme pour partir pour 12 ans de travail dans la constellation Galileo. On l'a dit, l'efficacité du système, ça dépend à la fois du nombre de satellites
et du nombre de stations au sol. Ça, c'est important. Oui, ça, c'est important. Le nombre de satellites, il est en fait, il faut un nombre important pour assurer une répartition géométrique adéquate pour tout usager autour du globe. Oui. Ça s'appelle la dilution de précision. Donc, ça caractérise un petit peu le fait que l'on a suffisamment de satellites dans une bonne géométrie. Pareil pour le nombre de stations, c'est tout aussi important. Ça, c'est important, en particulier pour la précision. Il faut qu'on ait un certain nombre de stations pour acquérir suffisamment de données indépendantes pour pouvoir avoir ensuite un calcul précis. La station la plus exotique ou la plus inattendue ? Alors là, on pourrait parler de Troll en Antarctique. Ah oui, très juste. On ne peut pas y accéder en dehors de 2 à 3 mois dans l'année. Oui, c'est ça. Mais il y a peut-être aussi difficile, on a Kerguelen. Ah oui, les Kerguelen. On ne peut y accéder que par bateau. Des îles françaises qu'on méconnaît totalement. Oui. Et qui ne sont dévolues qu'à ça d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a que des stations de type météo ou réception satellite des réseaux scientifiques. Effectivement. Alors je ne veux pas préjuger de la chose, mais j'ai vu que Stéphane Israël avait quitté son pupitre pour aller au plus près de ses interlocuteurs de l'ESA et ainsi que du constructeur OHB, alors que l'on revoit le décollage qui a eu lieu il y a 4h16 de cela, décollage de ce 15e Soyouz. Il a bien réussi son implantation en Guyane, Soyouz. Hein. Ça fonctionne bien. C'est vrai que ça marche au moins aussi bien. Oui. Voilà, exactement. Donc on est là, alors qu'on voit ces images. Le plafond est en bas. Vous voyez, on a vraiment cet effet très, très rougeoyant, puisqu'il y a une puissance au décollage. Il ne faut pas l'oublier quand même. Il y a les 4 boosters plus l'étage numéro 2 qui sont en train de pousser. Ça crache, comme on dit. Donc on attend d'avoir les confirmations. Bon, là il y a des sourires quand même. Hein. On voit M. Chemoul, Stéphane Israël très souriant, le pupitre de l'Agence spatiale européenne. Toutes les validations sont en cours avec la collecte des différentes données. On est en relation avec Darmstadt, donc centre de contrôle à l'ESOC. C'est l'ESOC, oui, en Allemagne, donc qu'on avait vu très en avant au moment de Rosetta. Tout à fait. Hein, qui est un centre très, très sollicité dans le dispositif ESA. Oui, bien, on a une expertise reconnue mondialement. Oui. C'est une mission très très longue. Les missions pour Galileo sont toujours d'une grande... Il y a toujours cette phase balistique qui est très très longue, parce qu'il faut aller très loin. Il faut quand même imaginer qu'on est à des altitudes de plus de 23 500 km. Oui. C'est pas la petite mission, quoi. Ça prend du temps, même si le lanceur... Et ce qui est fabuleux, c'est que compte tenu des capacités... De ce qu'est l'espace, une fois qu'on a éteint tout cela, avec l'inertie, on continue à emmener tout ça. On a encore 7 tonnes en vol, 6-7 tonnes en vol, et puis ça va aller jusqu'aux bonnes altitudes demandées. Oui, tout à fait. Il faut beaucoup d'énergie. Oui, pour voilà, ça y est, les applaudissements. Confirmation du succès de la mission Galileo Foghem 5. Voilà. Et ben voilà, mission 5. Galileo, eh ben écoutez, c'est fait. Ah, fantastique. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Votre souvenir le plus marquant pour vous, Sylvain, bon ou mauvais? Allez, on va essayer. Non, on va garder les bons. Donc, gardons les bons. C'est quand on a fait pour la première fois le positionnement avec les 4 satellites IOV. Ah oui. Voilà, donc on a fait par nos propres moyens. On a démontré qu'on avait effectivement... réussi ce qui était prévu. Ça y est, c'était en main. Ça y est. Oui. Ouais, et là, on ne fait qu'améliorer. Exactement. Voilà donc Thierry Fahem. Et
Thierry Fahim, qui est donc l'interlocuteur, qui sert d'interface en fait pendant toute la mission entre le client, en l'occurrence là un client un peu particulier, l'agence spatiale est plus un partenaire qu'un client, donc il sert d'interface dès le début du contrat jusqu'à la fin. Donc c'est un rôle où on est très sollicité pour ce genre de choses. On voit également Thierry Villemard. Bon, là, on sent le soulagement. C'est ouf, le grand ouf de satisfaction. OHB aussi peut être très satisfait. Voilà, deux de plus, je serais tenté de dire, deux de plus de livrés. Non, c'est, bon, il y en a d'autres qui arrivent. Très, très bien. Non, c'est une très, très bonne chose. Galileo avance. On rappelle que les premiers services vont être mis à disposition dès cette fin d'année. Et ça n'ira qu'en étant... de plus en plus performant, puisque, on le répète, 12 satellites à venir et ça ira 4 par 4. On écoute les déclarations de cette fin de mission. So, ladies and gentlemen, mesdames we can et messieurs, now say that, nous pouvons maintenant dire que cette nouvelle mission success. Galileo est un succès total. Daniele et Alizé ont été séparés en toute sécurité sur leurs orbites terrestres moyens visées. Les satellites ont réussi les étapes initiales de lancement. Paul vous en dira un peu plus. Et ils ont bien réussi les premières phases de mise en orbite. Encore, Galileo est un succès. C'est un succès pour chacun d'entre nous et ArianeSpace est très heureux de célébrer ce 250e lancement avec le CSG, avec une telle mission si emblématique pour l'Europe. Je crois tout d'abord qu'il est très important pour nous de remercier nos clients. Nous avons la Commission européenne et l'ESA qui sont les clients particuliers de cette mission dans leur rôle respectifs. Je vais commencer avec des remerciements très particuliers à la Commission européenne, la DigiGro, toute l'équipe de la DigiGro. Nous avons Paul Flamand qui est avec nous ce matin. Je voudrais vous remercier et remercier la Commission pour votre confiance. La Commission européenne a montré sa confiance permanente pour ArianeSpace en deux occasions. Vous êtes le premier client de Soyouz ici, qui est Soyouz partie du Centre spatial guyanais en 2011. Et après avoir eu quelques difficultés en août 2014, vous avez quand même décidé de continuer avec Soyouz. Vous avez fait le bon choix. Nous avons fait le premier lancement réussi après août 2014. Et en février, vous nous avez demandé d'accélérer et d'avoir une Soyouz. Et que ce n'était pas le plan nominal, mais nous l'avons pour lancer ces satellites, nous l'avons fait. Vous savez que Soyouz a bien fait son travail, rempli sa mission. Ils ont fait plusieurs lancements pour Galileo depuis 2011. Et aujourd'hui, nous attendons Ariane 5 ES, qui emmènera en orbite 4 satellites supplémentaires en novembre de cette année, le 17 novembre très exactement. Ensuite, je voudrais remercier l'ESA. ArianeSpace est un partenaire clé de l'ESA. Nous travaillons tous les jours ensemble avec le département lanceur de l'ESA. Je voudrais remercier notre client particulier ESA Navigation pour cette mission-ci. Nous travaillons avec Didier Febvre là-dessus. Je voudrais remercier ESA Navigation, toutes ses équipes, pour leur confiance et pour ce succès que nous partageons ensemble. Je sais que nous regardons tous ici en métropole le lancement. Je vous remercie donc encore une fois de votre confiance. Je voudrais aussi remercier notre partenaire russe. Nous avons travaillé ensemble sur Soyouz. C'est une longue histoire. Cette histoire a commencé à Baïkonour avec Starsen. Nous avons fait 26 lancements réussis ensemble. Et nous, bien sûr, nous avons ici franchi une nouvelle étape avec Soyouz en Guyane. C'est le 15e lancement de Soyouz en Guyane. Et l'équipe russe Roscosmos qui est représentée aujourd'hui
par M. Ivanov, qui est l'adjoint de M. Komarov. Donc Roscosmos a montré son engagement très fort dans ce partenariat. Roscosmos et toutes ses équipes russes ont réussi pour à faire que Soyouz lance ses deux satellites. Il y a 29 jours, vous en envoyez Copernicus et ça n'a jamais été fait. On a lancé deux Soyouz très proches l'une de l'autre. Et une fois encore, tous mes remerciements à ces équipes russes. Nous avons bien sûr d'autres partenaires qui sont à l'origine de ce succès, toutes les équipes, les employés de ces représentants. Nous avons le CNES CSG que je tiens à remercier, qui est notre partenaire quotidien. Nous travaillons ensemble pour atteindre ce record de lancement cette année, 12 l'année dernière, et nous sommes tout à fait confiants. Nous pensons que nous devrions encore une fois atteindre cet objectif ensemble cette année. Donc, et le dernier qui n'est pas bien sûr le moindre, je voudrais remercier nos équipes, les équipes d'Ariane Espace. Nos équipes sont dédiées à Soyouz en Guyane. Le directeur programme Soyouz est François Barreau. Il a beaucoup travaillé à ce succès. Nous avons les ingénieurs Laurent Lagier, par exemple. Je voudrais remercier toutes leurs équipes qui travaillent ensemble sur Soyouz chez Ariane Espace. Je dois bien sûr parler d'OHB. OHB qui est un partenaire clé pour Galilée. Nous avons aujourd'hui réussi cette cinquième mission ensemble avec cette mission capacité opérationnelle complète pour Galileo. C'est un partenaire de Ariane Espace. Ce sont des gens très importants pour nous et je voudrais remercier Marcus Fuss et toute son équipe, ou toutes ses équipes, devrais-je dire, pour ce succès. Je vais laisser la parole maintenant à nos clients. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, presque bon après-midi. Enfin, c'est encore le matin, mais c'est déjà l'après-midi en Europe. C'était magnifique, n'est-ce pas? Quel beau succès. C'est toujours bien de rester debout toute la nuit quand on connaît un tel succès le matin. Quelques mots sur ce que nous avons fait depuis la séparation. Il y a eu l'acquisition des deux satellites pour les brancher. Les panneaux solaires ont été déployés sur ces deux satellites. Donc, les satellites sont maintenant pointés vers le Soleil et en conditions tout à fait stables. Nous avons la première détermination de leurs orbites et de leur statut de déploiement et tout semble en ordre. Nous aurons une seconde évaluation dans environ une heure qui confirmera que tout va bien. L'équipe combinée ESOC-CNES à Darmstadt est en contrôle des satellites. À l'heure actuelle, ils vont les faire passer par les premières opérations. Ils vont les emmener en position orbitale dans leur position orbitale respective sur le plan A. Ce lancement marque un point important du programme Galileo parce que nous avons maintenant suffisamment de satellites déployés pour véritablement démarrer les premiers services. Et une fois que tout aura été testé, nous aurons suffisamment donc d'orbites, de satellites en orbite, pardon, pour démarrer ces services, comme je l'expliquais. Ces satellites ont été mis en position, ils seront ensuite testés, ils seront remis aux opérateurs. Un nombre de déploiements sol seront mis en place un peu plus tard cette année lorsque nous aurons fait la première campagne de validation des services initiaux. Et la Commission européenne, à ce moment-là, déclarera le démarrage officiel de ces services initiaux. Nous continuons à soutenir l'ESA et la Commission avec toutes ces opérations, ces fournitures de services. C'est une tâche extrêmement importante qui ne fait que démarrer. En parallèle, nous allons continuer à déployer d'autres éléments, des satellites en particulier, bien sûr, comme Stéphane l'a expliqué. Le 17 novembre, nous allons lancer sur une Ariane 5 spécialement adaptée nos quatre prochains satellites. Je voudrais remercier toutes les équipes pour le travail effectué, le travail remarquable dans cette campagne qui a été particulièrement courte et qui a abouti à ce lancement réussi de ce matin. Remercier Stéphane et ses équipes d'Ariane Espace, les partenaires russes, le CNES, les équipes d'OHB et d'SSTL,
et toutes leurs équipes, évidemment, les autorités locales ainsi que les équipes de nos partenaires publics, c'est-à-dire la Commission européenne, GSA, l'ESA et les équipes navigation OPS et TEC de l'ESA. Galileo est une belle histoire qui a de nombreux pères et quelques mères, je l'espère. Je voudrais terminer en mentionnant tout particulièrement deux d'entre eux, deux les pères véritables de cette aventure, Hans Fromm. Hans a été le premier manager à l'ESA qui a mis en place les études initiales de ce système de navigation satellite que l'on appelle aujourd'hui Galileo. Ensuite, il y a Alex Stessiv, qui est l'une des personnes qui a démarré ce travail avec Hans. Sans Hans et Alex, je crois que nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et alors, Hans et Alex, au nom de chacun d'entre nous ici, je voudrais vous remercier de votre travail de pionnier qui a démarré il y a à peu près 20 ans maintenant. Et maintenant, je souhaite le meilleur succès à nos collègues de l'ESOC et du CNES pour les semaines à venir. Et nous attendons avec impatience que ces satellites soient prêts pour les premières opérations dans environ 3 mois. Merci. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est la démonstration du succès de l'industrie européenne et je tiens particulièrement à remercier Arianespace, le CNES, l'Agence spatiale européenne, les industriels européens pour leur flexibilité parce que effectivement, en tant que client, il y a quelques mois, nous avons demandé s'il était possible d'accélérer le calendrier et effectivement, aujourd'hui, nous avons lancé 2 satellites en plus de la constellation Galileo, alors que ces 2 satellites-là, nous prévoyons initialement de les lancer en 2017. Donc nous avons accéléré cette cadence et je pense que tout le monde pourra s'en réjouir. Nous voyons aujourd'hui que la mise en commun de nos idées, de nos énergies, de notre intelligence dans tous les pays de l'Europe nous permet d'avoir les moyens de nos ambitions. Et un projet ambitieux comme celui de Galileo se fait grâce aux contributions de tous les pays de l'Europe. J'ai l'impression que les satellites d'aujourd'hui sont un petit peu comme des éléments, comme des briques de la construction d'une balise, d'un amer, d'un phare. Un phare qui, très bientôt, à la fin de cette année, va commencer à projeter sa lumière vers l'horizon et permettra de nous guider, tous les voyageurs que nous sommes. Effectivement, d'ici à la fin de l'année, nous devrions entamer les services initiaux de Galileo. C'est très important parce qu'aujourd'hui, de par le monde, il y a déjà 5 à 6 milliards d'équipements qui utilisent la navigation par satellite. En 2020, ce chiffre approchera les 10 milliards d'appareils. Donc on le voit, la croissance est à 2 chiffres et je pense que l'Europe mérite réellement de pouvoir prendre sa part et c'est une belle aubaine pour les industriels européens. Je voudrais en profiter aussi pour vous annoncer que la semaine dernière, l'Organisation maritime internationale a reconnu Galileo comme une des composantes du système mondial de radionavigation. C'est un succès et ça démontre de nouveau l'intérêt de notre système. De plus, il y a d'autres partenaires internationaux qui sont intéressés. Pour ne pas les nommer, nos collègues et partenaires américains ont démontré aussi un intérêt dans notre système et très bientôt nous allons commencer à discuter avec eux pour essayer de matérialiser une collaboration approfondie dans le domaine de la navigation par satellite. Alors le succès d'aujourd'hui, je pense, nous permettra de donner une place de choix aux systèmes de navigation que sont Galileo et EGNOS dans la stratégie spatiale européenne que la Commission mettra sur la table d'ici à la fin de l'année. Un succès comme aujourd'hui, effectivement, nous garantit que nous pourrons aller de l'avant et que dans le futur, nous trouverons les financements nécessaires pour maintenir et pour continuer cette belle aventure qu'est Galileo. Alors donc, de nouveau, je remercie Arianespace, l'industrie, mais également, outre le secteur privé, également le secteur public, que ce soit le Parlement européen, le Conseil, les États membres, et toutes les personnes qui soutiennent ce projet, et cela inclut également tous nos collègues qui sont en Europe,
nos familles, nos amis, parce que finalement, tout le monde participe à la mise en place de ce système qu'est Galileo. Je pense que le rendez-vous est pris maintenant. Au mois de novembre, nous reviendrons ici et nous espérons obtenir un succès finalement doublé, puisque avec Ariane 5, nous mettrons 4 satellites en orbite au mois de novembre, ce qui nous permettra de réellement pleinement rentrer dans la phase de service initiaux de Galileo. Encore merci à tous ceux qui ont œuvré aujourd'hui pour faire de cette journée un succès. Merci. Also good morning from my Une side. Fois encore, bonjour de ma part. Je dois vous dire tout d'abord que même si je regarde à 16 ans dans l'espace, c'est le premier lancement que j'ai vu moi-même de mes yeux, si je puis dire, et c'est très émouvant. Et de gros efforts existent derrière ce succès. C'est de la qualité, de la concentration dont on parle ici. N'ayez pas l'impression ou n'ayez pas le sentiment que tout ça est très simple, au contraire. C'est très compliqué et je le sais parfaitement bien. C'est pour ça que je voudrais renvoyer les remerciements que j'ai reçus à Ariane Espace, à l'ESA, au CNES. Merci, merci encore de votre confiance. J'espère que nous allons pouvoir aller de l'avant. J'espère que nous allons prouver que nous méritons ces remerciements de votre part. Notre entreprise est une entreprise familiale et nous considérons nos produits comme nos enfants, véritablement. Et aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont dans l'espace et nous en sommes extrêmement fiers. Une fois que les enfants, vous savez, vous apprenez à vos enfants à grandir et une fois qu'ils sont dans l'espace, ils sont autonomes. Et on a prouvé que 14 de nos enfants maintenant, 14 de nos enfants, Alizé et Daniel sont les derniers d'entre eux, mais nous sommes fiers de ces 14 enfants maintenant en orbite. Je sais qu'il y a certains de mes collègues à Brême, et en Allemagne qui nous regardent. Je voudrais leur dire merci. Merci en allemand. Vous avez fait un excellent travail. Merci beaucoup. Super gemacht. Voilà, beau travail. Et je dois admettre maintenant que il y a 3 heures, on savait que c'était une situation un peu délicate. Donc tous nos remerciements à nos amis aussi de Guildford, qui sont un partenaire de grande qualité. On est content de continuer à travailler avec eux. Merci beaucoup. Messieurs, je crois que les dieux de la météo étaient avec nous ce soir et nous avons pu, ce matin, pour ceux qui ont eu une nuit longue, c'est encore la soirée, et nous avons eu un magnifique lancement, ce 7e lancement de Galileo, ici au Centre Spatial Guyanais par Soyouz. Et ce lancement réussi montre que la coopération européenne est établie sur des bases solides, comme le programme Galileo, mais aussi le programme Soyouz en Guyane, est une mécanique bien huilée. Et ce lancement démontre encore une fois que les choix de la politique spatiale européenne sont les plus judicieux pour mener au succès. Et donc, au nom du CNES, je félicite tous les acteurs de ce succès, la Commission européenne, l'ESA, Arianespace et StarSem, et l'industrie en Europe, et bien sûr, les équipes du CNES. Et je souhaite effectivement une longue vie à Daniele et Alizé. Nous sommes sous les Alizés ici et nous avons eu des bons Alizés. Et donc, de les voir très vite en action, nous porter un souffle porteur avec ce signal Galileo qui nous permettra de voyager peut-être dans la forêt guyanaise. Mais cette réussite, nous la devons aussi à la coopération avec la Russie. Et je tiens à féliciter particulièrement Roscosmos et l'industrie russe pour ce lancement réussi et l'excellence des choix techniques qui sous-tendent la conception de ce magnifique lanceur Soyouz fiable avec plus de 1700 lancements. Et je voulais souligner que cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de la coopération franco-russe et ce deuxième vol réussi de Soyouz ici en Guyane est une excellente manière de le marquer. Cette coopération a permis de développer des partenariats majeurs entre nos pays, dans la science, les vols habités, mais aussi dans le domaine de l'accès à l'espace,
où Soyuz en Guyane est une éclatante démonstration de nos liens. Alors, ces 50 ans montrent que cette coopération est inscrite dans la durée, pour tous les domaines, et ici aussi en Guyane avec Soyuz. Le lancement de cette nuit, VS-15, n'existait pas au tout début de l'année, et il a été décidé, comme Paul Flamand l'a mentionné, il y a juste 4 mois, pour répondre aux besoins de la Commission européenne d'accélérer le déploiement de Galileo afin d'ouvrir au plus vite les services de ce système. Et là, je dois dire que les équipes du CSG, mais de tout le CSG, des industriels d'Arianespace et du CNES, ont effectué cette prouesse remarquable d'introduire ce lancement supplémentaire tout en préservant le programme de lancement sans le perturber. Et ça, je pense à la satisfaction de Stéphane Israël, d'Arianespace, et puis du CNES, parce qu'on tenait effectivement à avoir ce programme de lancement au même niveau que 2015. Et là, le talent et l'excellence ont encore parlé une fois de plus au CSG, et ces équipes du CSG méritent toutes nos félicitations. Le CSG montre que son organisation, qui se fonde sur des schémas simples avec des relations directes entre les acteurs, est un modèle d'efficacité qui doit être une source d'inspiration pour préparer nos organisations d'avenir avec l'arrivée d'Ariane 6 et de Vega C. Et les perspectives d'avenir au CSG sont des plus encourageantes, avec un programme de lancement étoffé, le chantier Ariane 6 qui se développe. On vient de terminer les terrassements et puis nous attendons que notre direction des lanceurs statue sur le futur maître d'œuvre qui va construire les infrastructures, mais qui vont arriver là cette année. Donc on va voir émerger un nouveau pas de tir. Et puis les projets de modernisation pour améliorer la capacité de lancement et accroître son offre de services. Et au travers de ces perspectives d'activité, le CSG est au service de l'Europe et aussi au service de la région dans laquelle il est, de la région de la Guyane. Et nous sommes fiers d'avoir accueilli des jeunes en insertion dans les chantiers d'Ariane 6 sur des métiers techniques assez évolués. Ils ont été 12, mais la perspective, c'est d'en accueillir beaucoup plus dans le futur chantier. Et par là, nous montrons au CNES l'engagement que nous prenons vis-à-vis de la Guyane et de son développement. Et nous veillerons à ce que les entreprises locales soient impliquées de plus en plus dans les activités de la base. Et nous veillerons aussi à un fort soutien dans les actions d'éducation et de formation professionnelle. Voilà, je crois qu'il y a des perspectives intéressantes ici sur cette base. Je remercie encore une fois la Commission européenne, l'ESA, pour la confiance qu'ils ont accordée au CSG pour venir ici. Ils sont bienvenus, ils sont chez eux. Et pour terminer, je vous remercie de votre patience et de votre écoute. Voilà, et à bientôt. Merci. Bien, donc quelques mots de conclusion en français, ce qui permet de s'exprimer de façon encore plus correcte. Je crois deux rendez-vous, le 17 novembre pour 4 satellites Galileo avec Ariane 5, la première des Ariane 5. Effectivement, ce sera un rendez-vous très important. Nous le préparons avec nos partenaires d'OHB, de l'ESA, de la Commission européenne, d'ASL pour la qualification du lanceur depuis maintenant de nombreux mois, et nous y sommes presque, et nous sommes très confiants dans la tenue de cette date. Et nous espérons qu'après avoir démontré 6 nouveaux satellites pour Galileo, 1 pour Copernicus, la Commission européenne, dans sa stratégie spatiale, va monter à bord avec force des lanceurs européens pour la prochaine décennie. C'est un enjeu absolument clé pour notre avenir commun. Et donc, avant, parce qu'il y a d'autres lancements à faire, et Bernard l'a dit avant, ici depuis le Centre spatial guyanais, dès le 8 juin, donc dans peu de jours finalement, nous serons de retour avec Ariane 5 pour 2 clients export, EcoStar 18 pour l'opérateur Dish Network LLC, et puis Brisat, c'est un client nouveau pour Arianespace, c'est une banque indonésienne qui va se doter d'un satellite. Voilà, donc nous préparons tous ensemble ce très beau lancement le 8 juin avec Ariane 5. Merci beaucoup, bonne journée. Voilà donc cette fin de mission. Plutôt content, Sylvain ?
Oui, c'est le minimum qu'on puisse dire. Minimum, très, hein. très, très content. Bon, ça a été efficace, ça s'est bien passé, ça a été très beau. Il va être temps maintenant pour nous de prendre congé. On revoit les images de lancement. On se donne rendez-vous le 17 novembre ? Ah, je crois que ça s'impose, oui. Ah oui, ça s'impose, je pense aussi. Le 17 novembre, 5 mois et demi pour préparer un décollage d'une Ariane 5 avec sous la coiffe 4 satellites cette fois-ci. Bon, écoutez, bonne journée à vous et puis vive Galileo, vive l'Europe spatiale et vive l'agence. Oui. Quand ça marche, c'est encore mieux. C'est exactement. Vrai. Bonne journée à vous, bonne journée à tous, où que vous soyez, et salutations à nos amis d'Evry notamment. Oui.